Eh bien, hello tout le monde, c'est Geek Gamer Guy pour Retro Value et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une cartouche Game Boy Advance particulière puisque celle-ci comporte 26 jeux issus de la ludothèque NES ou Famicom si vous préférez. Donc, pas une cartouche officielle mais une cartouche pirate. On pourrait la mettre dans la catégorie des produits absolument pas Nintendo. Et il y a vraiment 26 jeux, ça c'est la bonne nouvelle, il n'y a pas de répétition. Donc je vais vous faire un petit coup d'œil sur chaque jeu sans vraiment faire de test, parce qu'on n'aurait pas le temps, ça durerait trop longtemps sinon. Mais on peut déjà commencer avec Battletoads, hein. On se dit ça c'est une bonne surprise, parce que Battletoads c'est quand même un des titres assez réputés de la NES. Malheureusement, celui-ci est très mal émulé, vous allez vite comprendre où se situe le problème. Et c'est dommage, hein. Pour une première impression, le premier jeu de la liste, qui rencontre de sérieux problèmes d'émulation, enfin sérieux, ça rend pas le jeu injouable, mais là on se dit tout va bien, bon il y a un petit peu de clignotement, mais voilà, à partir d'ici, vous voyez à quel point ça tremblote par là-haut, c'est pas stable, et ça n'inspire pas vraiment confiance par rapport à la suite de ce qu'on risque de trouver dans cette cartouche de jeu Game Boy Advance. Alors j'ai bien essayé de régler l'écran, si vous voulez, parce qu'on peut choisir des réglages sur l'écran. Bon, les autres réglages, par exemple save state, load state, vous oubliez, hein, ça sert à rien. Et c'est pareil pour le display, les réglages de l'écran ne servent à rien, même si ici je n'ai pas appliqué les modifications parce que j'avais déjà tenté et j'ai vu que ça ne réglait pas le problème des tremblements. Donc le jeu est tout simplement mal émulé et c'est fort dommage car ça aurait été sympa de jouer à Battletoads dans de bonnes conditions. C'est un beat'em all platformesque assez réputé sur NES et on peut sentir l'influence des Tortues Ninja, et oui, c'est la même époque. À présent, on passe à Adventure Island, un jeu qui vient en vérité de chez Sega à l'origine. C'est un jeu d'arcade de chez Sega qui s'appelle Wonder Boy, mais lorsqu'il a été porté sur les consoles Nintendo par Hudson, il a été renommé Adventure Island. Et il s'agit d'un jeu de plateforme assez gentillet, mais tout de même, rétro, old school dans l'âme, comprenez qu'on meurt en un coup, voilà, un coup vous tue. Et au début, on n'a rien pour se défendre contre les ennemis, on ne leur saute pas dessus comme dans un Mario, mais heureusement j'ai trouvé cet item qui me permet de lancer une sorte de maillet, je crois que c'est un maillet. Et voilà, je dois récupérer les bananes, je dois récupérer les fruits, les différents bonus, et je dois me dépêcher. Tous les upgrades se trouvent dans des œufs que l'on brise, et là j'ai obtenu le skateboard, ça me permet d'aller plus vite, mais je dois tout de même rester méfiant, donc pas aller trop vite, afin d'éviter la collision avec l'ennemi qui résulterait en la perte du skateboard, tout simplement. Et ce coup-ci, c'est contre un rocher que je le perdrai, mais on peut tout aussi bien trébucher contre ces rochers lorsqu'on se retrouve à pied. Attention à ce connard, il m'a déjà eu quelques fois. Donc un jeu plutôt sympathique et haut en couleurs, enfin par rapport au nombre de couleurs que peut afficher la NES. Et je suis heureux de le retrouver dans cette compile, oui c'est une bonne surprise, mais vous verrez qu'on retrouve également pas mal de jeux qui sont plutôt datés dans leur gameplay, voilà, avec des mécanismes très rigides, enfin on verra ça par la suite. Sauf que la suite, là tout de suite, c'est Super Mario Bros. Oui, la mascotte de Nintendo Mario, et moi je veux pas de problème de copyright, donc je ne vais même pas trop vous parler de ce jeu. De toute façon, tout le monde connaît Super Mario Bros, alors certes, c'est sympathique de le retrouver dans cette compilation, mais sans grand intérêt pour moi, qui possédait déjà depuis un moment Super Mario Bros. Deluxe sur Game Boy Color. À présent, c'est au tour de Twinbee, un shoot 'em up vertical qui nous vient de chez Konami, et dont l'ambiance rappelle un peu l'ambiance de Parodius, à moins que ce soit l'ambiance de Parodius qui rappelle un peu celle de Twinbee. Et je me suis dit, je vais quand même profiter qu'on peut avoir accès à certains réglages pour me faciliter la vie et opter pour un tir continu. Alors faut juste que je pense à régler le bon bouton, parce que oui, on utilise deux boutons,
L'autre bouton, à l'instar d'un Xevious, il sert à abattre les ennemis au sol. On leur largue une bombe dessus. Il faut détruire ces espèces de bottes de paille, qui sont des bottes de paille super dangereuses. Moi, je vis à la campagne et je peux vous dire que chez moi, elles ne sont pas aussi menaçantes. On se fait également attaquer par des espèces de radis blonds. Oui, c'est un univers assez chelou, mais pas aussi bizarre et déjanté que celui d'un Parodius. Enfin, c'est tout de même sympa de retrouver ce jeu dans cette compile. Le titre suivant est Ten Yard Fight, et c'est un jeu de football américain, donc autant dire que je n'y ai rien compris. Ouais, je comprends rien aux règles de ce sport, et d'ailleurs faudrait m'expliquer un jour c'est quoi la différence entre le rugby et le football américain. Je veux dire, est-ce que l'un des deux sports est une version bâtarde de l'autre? Enfin bref, moi j'ai même pas capté comment je faisais pour faire des passes à qui je voulais. Il me semble que dans ce sport, on est censé faire des passes à ses alliés qui se trouvent à gauche ou à droite. Et là, dès que j'ai reçu la balle, automatiquement je l'ai envoyé droit devant moi. Donc je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette merde? Et enfin bref, de toute façon, c'est pas le genre de jeu que j'avais envie de retrouver dans cette cartouche. Contrairement au suivant, Antarctic Adventure, encore un jeu de chez Konami, qui est bien sympathique. Alors celui-ci, c'est un jeu que je suis heureux de retrouver dans cette cartouche. Donc on dirige un pingouin et on est en vue en simili 3D, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est plutôt bien rendu pour un jeu de la NES. Le but, c'est d'atteindre la fin du niveau. Et bien sûr, on n'a pas tout le temps devant soi, hein. Il y a un timer. Et il peut arriver qu'on se heurte à des obstacles, comme ces connards de fuck qui n'ont rien de mieux à foutre que venir faire coucou, coucou. Et on se cogne contre eux, on tombe dans les trous, sinon, mais de toute façon, dans ce jeu, on ne peut jamais mourir. Tout ce qu'on peut avoir comme pénalité, c'est de perdre du temps et de ne pas pouvoir arriver à la fin du niveau. Et sinon, on récupère différents bonus, des poissons notamment, mais également d'autres sortes de bonus qui traînent sur la piste. Le jeu est plutôt bien rendu, donc, et on peut gérer sa vitesse avec le haut de la croix directionnelle pour accélérer ou le bas de la croix directionnelle pour ralentir. Nanana. Ouais, j'adore la musique de ce jeu, ça me rappelle un vieux dessin animé où il y avait Donald qui arrêtait pas d'emmerder Pluto, il faisait du patin à glace aussi, ouais, vous voyez un peu mes références culturelles. Ok, à présent un petit coup d'œil sur Balloon Fight, mais là encore il s'agit d'un jeu que la plupart des gens doivent connaître. Même ceux qui ne sont pas forcément des joueurs rétro, ils ont pu découvrir ce jeu grâce à Animal Crossing. Donc c'est vraiment un classique de la NES. Et le but du jeu, c'est de sauter sur ses adversaires pour crever leur ballon. Et ensuite, une fois qu'ils ont atterri avec leur parachute, ou même pendant qu'ils sont en train d'atterrir, on leur saute dessus pour les exterminer une fois pour toutes. Enfin voilà, je ne vais pas m'éterniser sur ce jeu. Le titre suivant, Battle City, est certainement moins connu que Balloon Fight. L'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut dès le début choisir son niveau, même si ce n'est pas flagrant ici car je n'ai pas fait défiler les choix de niveau. J'ai commencé donc directement au niveau 1, et c'est un jeu vu du dessus dans lequel le joueur contrôle le petit tank jaune, et il doit bien sûr se débarrasser des autres tanks présents à l'écran qui n'arrêtent pas de respawner. Le jeu se déroule sur un unique tableau, comprenez qu'il n'y a pas de défilement, pas de scrolling. Et l'une des particularités de ce titre, c'est que l'environnement, comprenez les murs de briques, sont destructibles. Le gameplay assez rébarbatif et la réalisation graphique comme sonore plutôt tristounette font de ce Battle City un titre pas forcément indispensable. Le jeu suivant, Burger Time, est lui aussi un classique que beaucoup de gens doivent connaître. C'est un jeu signé Namco. Alors Namco, c'est sous ce label que Namco a fait sortir pas mal de ses jeux au Japon pendant un peu plus de 10 ans. En fait, depuis le milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Je sais pas pourquoi ils avaient choisi de publier leurs jeux sous le label Namco. Mais enfin, voilà, ça fait partie de l'histoire du jeu vidéo, il fallait juste que je le précise. Donc Burger Time, c'est un jeu d'arcade dans lequel on doit former des hamburgers en marchant sur les différents ingrédients pour les faire tomber. Mais il faut faire attention aux saucisses et aux œufs pochés qui sont vraiment très très vénères et qui n'ont qu'une seule idée, c'est de bousiller la gueule aux joueurs. Comme quoi, quand on vous dit qu'il faut dire non aux OGM, eh bien peut-être que vous comprenez maintenant de quoi il s'agit, quelle est la véritable menace. Oui, si la bouffe se met à vous attaquer dans votre propre cuisine,
ça craint un peu. Et ce jeu aussi, il craint un peu parce qu'il a justement des mécanismes de gameplay extrêmement rigides, hein, comme ces vieux jeux. Comprenez que vous ne pouvez pas sauter d'un échelon lorsque vous prenez une échelle, et lorsque vous voulez atteindre une plateforme, vous devez vous trouver exactement à son niveau. Sous peine de vous retrouver coincé dans l'échelle, vous aurez beau appuyer à gauche ou à droite, tant que vous n'êtes pas exactement au niveau de la plateforme, vous resterez sur l'échelle. Et c'est pareil pour prendre l'échelle, là j'ai voulu la prendre, mais j'étais pas pile poil au milieu, et ça a laissé le temps à cet enculé d'œuf poché de me faire la peau. Donc voilà un jeu vraiment très rigide hein, dans ses mécanismes, mais j'avais dit qu'il y aurait des jeux assez rigides dans leurs mécanismes. À présent, on va voir le jeu Defender 2. Donc encore un jeu qui est sorti sur NES. Le premier Defender n'est pas sorti sur NES. Par contre, il y a eu Defender 2. Et vous verrez que quand j'ai dit qu'il n'y avait aucune répétition dans cette compilation, je me suis quand même un petit peu avancé dans la mesure où on va également retrouver le jeu Stargate qui n'est autre que Defender 2 sous un autre nom. Mais de toute manière, j'ai déjà pu vous parler de ce jeu en testant les Midway's Greatest Arcade Hits Volume 1 sur Dreamcast et Game Boy Advance. Donc je vais pas m'éterniser sur ce Defender, hein. C'est un shoot 'em up horizontal mais multidirectionnel dans son scrolling, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière, il n'y a pas de scrolling imposé, et le but c'est de sauver les humains des méchants aliens. Le titre suivant c'est Formation Z. Et vous, de quelle forme est votre Z? Alors ce jeu, c'est un jeu de type shoot 'em up horizontal, dans lequel on contrôle a priori un personnage, donc on se dit plutôt que c'est un titre à la Contra, Probotector. Mais la particularité, c'est que notre personnage, c'est une espèce de Transformer qui peut prendre la forme d'un avion. Et du coup, je me retrouve dans les airs, et ça change un peu la donne du gameplay, ça offre une plus grande liberté de déplacement. C'est vrai qu'on peut monter assez haut, par contre on peut pas descendre trop bas. Si on descend trop bas, bah, j'ai remarqué qu'on se pétait la gueule. Et bon, il y a quand même quelques détails dans ce jeu qui ne m'ont pas paru très clairs. Déjà, on a une espèce de timer, un compte à rebours qu'on a en bas à droite. Et j'ai pas tellement compris à quoi ça correspondait, et ce qui était censé se passer une fois le compte à rebours arrivé à zéro. Ni même comment on était censé gagner des secondes supplémentaires. Alors je sais pas si ça correspond au fuel, enfin... Ça m'a paru assez bizarre, et alors surtout un gros manque par rapport à ce jeu, c'est au niveau des musiques, puisqu'elles sont tout simplement absentes. Donc là, j'arrive à la fin de mon timer, et une fois que je suis à zéro, je m'attendais à ce que l'avion explose, mais non, il s'est pas explosé. Par contre, moi, je me suis crashé comme une merde. Je me disais peut-être qu'en se rapprochant du sol, on peut reprendre forme humaine. Enfin, si on peut parler d'un être humain, disons plutôt une sorte de cyborg, voilà, une sorte de cyborg ou d'androïde, ouais, parce que cyborg, ça sous-entend quand même d'être à moitié humain. Là, je pense qu'on dirige un personnage entièrement robotisé, puisqu'il peut se transformer en avion. Bon, là, il s'est retransformé en humain au moment où je me suis rapproché de l'eau, juste histoire de faire une petite baignade. Donc ça m'a énervé et j'ai décidé de passer à la suite. Et la suite, c'est Frontline, un jeu de chez Taito. Et finalement, c'est encore plus de la merde ici, parce qu'encore Formation Z, il y a une certaine originalité, même si, bon, le titre, je l'ai peut-être pas forcément très bien abordé, il m'a un petit peu dérouté. Mais alors là, je suis dérouté et dépité, parce que ce jeu, il est juste abominable, que ce soit au niveau de la jouabilité, de la réalisation, enfin, regardez l'animation ridicule du personnage, quoi. Et alors, bon, je me suis fait dégommer, remarquez que mes tirs, de même que les tirs ennemis, vont peut-être à 2-3 mètres, et puis après, la balle disparaît. Et concernant la gestion des grenades, là encore, c'est assez compliqué, parce que c'est pas comme si elles allaient se diriger automatiquement sur l'ennemi. Donc, un jeu à la réalisation mauvaise et au gameplay qui l'est tout autant. Ensuite ? Eh bien, ensuite, nous avons Galaxian. Encore un titre que tout le monde doit déjà connaître, très simpliste mais plutôt accrocheur. Par contre, ce côté simpliste, une fois encore, ne dispense pas le jeu d'avoir des bugs graphiques en haut vers les scores. Donc niveau émulation, cette cartouche, elle est pas tip-top. On passe à Just, et on retrouve cette musique à l'écran titre qu'on a sur plusieurs jeux dans cette cartouche. D'origine, ça ne devait pas être comme ça, donc je sais pas trop ce qu'ils ont foutu. Just, c'est un titre super connu, j'ai déjà eu l'occasion de vous le tester dans les Midway's Greatest Arcade Hits. Et c'était tout de même plus jouable sur Dreamcast qu'ici, alors on peut prendre le jeu en main, c'est pas le problème, mais
Il me semble que la réactivité du personnage, enfin de l'autruche, était meilleure quand je l'ai testé sur Dreamcast. Donc là encore un jeu sympa, mais sans grand intérêt pour moi puisque je l'ai déjà ailleurs. Découvrons à présent Karateka, enfin découvrir c'est un bien grand mot parce que ce jeu, vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos tests. Il faut dire que c'est un jeu assez récurrent dont les cartouches pirates et même sur les consoles plug and play, vous savez, ces consoles qui rassemblent plusieurs jeux. Donc le personnage a deux modes de déplacement, les déplacements normaux pour courir et puis les déplacements en mode combat. Et lorsque vous vous retrouvez confronté à un adversaire, vous devez vous mettre en mode combat, sous peine de vous faire buter dès le premier contact, parce que l'adversaire ne va pas hésiter à vous frapper. Donc ce jeu, c'est une sorte de Prince of Persia, au pays du karaté. Et je sais pas s'il faut dire que ce jeu est un cas raté. Bon, esthétiquement, je le trouve assez correct, mais au niveau du gameplay, bah, il laisse un peu à désirer, quoi. Il y a comme un ton de latence avec chaque coup. On a l'impression que le personnage réagit quand bon lui semble. Voilà. Bon, il y a toujours eu un petit ton de latence inhérent au gameplay de Prince of Persia, hein, puisque ce jeu, on peut vraiment le comparer à un Prince of Persia par rapport à l'inertie du personnage dans ses déplacements. Et puis il y a ce côté scénarisé, mise en scène, où on voit l'ennemi qui se rapproche, et en haut il y a une espèce de radar, et lorsque l'ennemi va apparaître sous forme de carré bleu, ça voudra dire que je serai face à lui, et voilà, il est déjà là, il est arrivé d'un coup, donc il fallait que je sois prêt, que je me mette en mode combat. Bon, autant utiliser uniquement les coups de pied, parce que les coups de poing ont une portée moins importante, et ils ne sortent pas plus facilement. Donc le gameplay est vraiment très très bizarre. On n'a pas vraiment l'impression que les combats se passent en temps réel. C'est entre du temps réel et du tour par tour. Enfin, c'est l'impression que ça m'a fait. Et ça ne m'a vraiment pas surpris de retrouver ce jeu dans cette cartouche pirate chinoise. Ça ne m'a pas surpris, mais ça ne m'a pas réjoui non plus. Voilà. À présent, on va passer à Nuts and Milk. Et derrière ce titre qui peut sonner un peu porno sur les bords, se trouve un titre en apparence tout mignon, mais qui s'avère être plutôt un casse-tête, dans la mesure où le personnage qu'on dirige, ben, c'est un petit cochon, j'ai bien l'impression, qui doit aller retrouver sa copine dans la maison, après avoir récupéré les pommes. Et il doit bien sûr éviter de se faire attraper par cette saloperie qui vient de tomber à l'eau, mais qui de toute façon réapparaît presque aussitôt. Et la gestion des sauts, ben, elle n'est pas évidente, hein, parce que vous avez déjà vu un cochon sauter. C'est pas l'animal qui a la plus grande grâce du monde. On n'a jamais vu un cochon participer aux Jeux Olympiques, par exemple. On a déjà quelques éléments de plateforme intéressants, comme le trampoline, mais ça reste un jeu old school avec une jouabilité assez rigide. Allez, Pac-Man, encore un jeu que tout le monde connaît et auquel je peux jouer dans d'autres compilations. Et d'ailleurs, vaut mieux que j'y joue dans d'autres compilations parce que là, on a droit à la version tremblement de terre de Pac-Man. Eh oui, encore un titre super mal émulé. Ils auraient mieux fait d'inclure la version Atari 2600. Même en étant super mal émulé, le jeu serait resté fidèle à lui-même. Pinball, encore un classique de la NES, un jeu de flipper. Graphiquement très austère, et malheureusement, on ne retrouve pas l'ambiance qu'on devrait retrouver avec un vrai flipper. Remarquez que les musiques brillent par leur absence, quant au bruitage, ils sont relativement minimalistes. Quelques petites animations viennent égayer cette table de flipper un peu terne. Alors, ce n'est pas un mauvais titre, mais je pense qu'il ne parlera qu'aux plus nostalgiques d'entre vous. Eh oui, c'est Popeye, et ça fait plutôt plaisir de le retrouver dans cette cartouche, je ne m'y attendais pas vraiment. Et on se retrouve là encore avec un titre résolument old school dans sa réalisation, dans son gameplay. Le but c'est de récupérer les cœurs que nous envoie Olive, en évitant de se faire attraper par le gros lard.
qui fera tout pour nous rendre la vie difficile. Parfois, il nous balancera même des projectiles dessus. Alors, il faut récupérer tous les cœurs, ne pas les laisser tomber à l'eau. Sinon, on perd une vie. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour dans ce jeu. Il y a tant d'amour dans ce jeu. D'ailleurs, la musique, elle a un petit côté Stand By Me. Et soudain, la musique change. Car un cœur s'est retrouvé à l'eau et je dois aller le récupérer avant qu'il soit détruit. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Je pensais que la musique changeait pour m'avertir que le gros lard allait me jouer un sale tour. Et j'ai pas vraiment capté, mais bon. Sinon, voilà, le titre a l'air plutôt simpliste. Il y a quand même des questions que je me pose par rapport à la bombe et au saut sur la corde à linge. Enfin, c'est un titre à l'ancienne, on comprend pas toujours tout du premier coup. On passe à présent à Pyramid, présenté par Patrice Laffont, non plutôt développé par Zachen, aussi connu sous le nom FinChen Enterprise. Eux aussi, ce sont de sacrés chinois de magouilleurs, parce qu'ils ont sorti plusieurs jeux sur des consoles Nintendo, mais des jeux vraiment pas officiels. Enfin, le contenu, c'était pas des jeux volés comme certains font en allant piocher des jeux à gauche à droite pour les mettre sur une cartouche, mais bon, faut rien dire parce que ce sont des passionnés qui font ça, des chinois passionnés, non pas passionnés par le jeu vidéo, mais par le fait de gagner de l'argent. Et alors, il y a plein de youtubeurs qui sont passionnés par le fait de gagner de l'argent. Enfin, pour en revenir à FinChen, eux, ils faisaient tout de même leur propre jeu. Et là, on a une espèce de clone de Tetris, avec des formes vraiment pas intuitives. Mais la musique est bien. Et à présent, on passe à Red and Bungling Baby. Red and Bungling Bay, quoi. Et c'est un shoot 'em up multidirectionnel dans lequel on prend le contrôle d'un hélicoptère. Même si au début on se dit, attends, c'est quoi cette tâche au milieu de l'écran? Non, c'est juste la plateforme de décollage. Et après, eh bien, après on se balade, on sait pas où on va, et on tire à tout va sur tout ce qui bouge, ou même sur ce qui ne bouge pas. Donc c'est sympa parce qu'on peut gérer la vitesse de déplacement, on peut accélérer, ralentir. Et sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Malheureusement, j'ai pas tellement compris quel était l'intérêt de ce jeu, ce qu'on était censé faire. Et puis on retrouve le genre de musique qui m'énerve vraiment dans ces vieux jeux, c'est-à-dire la musique, on croit qu'elle va commencer, mais en fait elle ne commence jamais. Voilà, c'est comme si le CD restait bloqué, comme s'il était rayé. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve ça plutôt chiant comme ambiance. Un coup d'œil à présent sur Road Fighter. Alors il y a ceux qui se battent dans la street, c'est Street Fighter, et ceux qui se battent sur la road, c'est Road Fighter. Mais en fait c'est juste un jeu de course. Et d'ailleurs, le genre de jeu de course qu'on retrouve généralement dans les consoles plug and play, vous savez, les consoles qu'on trouve à 20 balles dans les supermarchés avec plein de jeux inclus, eh bien on retrouve toujours un jeu comme celui-ci dans le lot. Alors le but c'est d'éviter les voitures, mais pas toutes, parce que celles qui sont colorées, elles redonnent du fuel, et que si on les ramasse pas, on n'a plus assez de fuel, et qu'on peut pas terminer la course, et que de toute façon, on n'en a rien à branler. Et voici le traître. Voici le traître, votre majesté. Oui, Stargate, c'est le traître, c'est le seul jeu qui apparaît deux fois dans la liste, même si avant il s'appelait Defender 2, eh bien, on reconnaît le jeu, on n'est pas dupe, et vu qu'on a déjà parlé de Defender 2, on va pas en reparler encore une fois. Même s'il s'appelle Stargate, puisque c'est exactement le même jeu. Volleyball. Alors si je pouvais éviter de m'attarder trop longtemps sur ce jeu, parce que je vous assure que je le trouve atroce, épouvantable, c'est pas la réalisation qui pose problème, mais c'est le gameplay, tout simplement. Alors déjà, j'ai pas réussi à faire un service au début. Je crois qu'il faut appuyer sur les deux boutons en même temps, enfin, c'est pas très intuitif. Mais le vrai problème du jeu, c'est que l'action est rapprochée et ne se passe pas sur un écran fixe, mais au contraire, il y a un scrolling qui suit les mouvements de la balle, et moi je sais jamais quel personnage je dirige, où je suis censé être placé. En plus, vas-y pour apprécier la perspective dans les jeux de l'époque. Non, vraiment, désolé, mais je ne suis arrivé à rien. Voilà, plus que deux jeux, et puis on aura fait le tour de ce que propose cette cartouche. Warpman, avec un titre pareil, on s'attend à un jeu de super-héros, ou je sais pas, quelque chose de cool. Et là, au contraire, on a un vieux jeu d'arcade tout pourri, le genre de jeu qu'on trouve dans des bistrots miteux.
Non, mais c'est même pas ça, c'est que on dirait une caricature de jeu, vous savez, style les jeux qu'on voit dans la bande dessinée Kid Paddle ou même dans les Titeuf. Voilà, on dirait une caricature de jeu vidéo. Mais qui va jouer à ça, franchement? Et pour terminer, nous avons Zippy Race. Donc c'est encore un jeu de course vu du dessus, mais cette fois-ci on prend le contrôle d'un motard et c'est l'occasion de se rendre compte à quel point les automobilistes peuvent être chiants aux yeux d'un motard. Ils veulent pas se laisser doubler, hein, et ils vous empêchent de passer. Et puis alors à peine vous mordez dans l'herbe que vous vous pétez la gueule irrémédiablement. Donc pour doubler ces couillons d'automobilistes, il faut tout simplement se coller à eux. Et vraiment les dépasser au dernier moment, et puis bon, il y a des flaques d'eau dont il faut se méfier, enfin, faut se méfier de tout, hein, vu que même l'herbe vous pétez la gueule, c'est pas comme s'il y avait quelque chose à gérer, non, c'est vous touchez l'herbe, paf, vous pétez la gueule direct. Et après, on vient nous dire que les jeux modernes sont trop scriptés, trop dirigistes, mais laissez-moi rire, c'est de la mauvaise foi. Bon voilà, donc là c'était une petite compilation, enfin petite, avec quand même 26 jeux, ce qui n'est pas rien, une cartouche pirate chinoise dans toute sa splendeur, avec des bugs graphiques, des petits problèmes d'émulation sur la plupart des jeux, hein, pratiquement tous les jeux. Alors certains de ces jeux sont d'un intérêt moindre et d'autres sont plutôt de bonnes surprises. Dans l'ensemble, c'est une cartouche que j'ai été plutôt content de vous tester. Moi, j'aime bien vous tester des petites compiles comme ça, puis on jette juste un coup d'œil sur chaque jeu. Certes, je ne vous ai pas fait du gaming avec un grand G, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Et je conclurai en disant que, bah oui, les jeux vidéo c'était bien à l'époque, mais finalement, je regrette pas que l'ère des 8 bits soit passée. L'évolution, ça a quand même du bon. Allez, à plus!